Eh, aujourd'hui j'ai une invitée, les mecs. Wesh, Aneta, ça va? On fait coucou. Aneta. J'essaye, voilà. Oh, oui, regarde la caméra. Non, tu veux pas? Oh, mais pourtant, quand il a fallu me réveiller ce matin, là, t'es bienvenue, hein. Hein, là, t'étais en forme, hein. Voilà, par contre, je suis désolé, hein, c'est pas pour faire, tu vois, dans la dentelle ou dans la cruauté animale, mais t'es sur mon tapis de souris, là, je peux pas faire de mouvement si t'es là. Ouais, non, bah non. Y'a plaît pas, vous avez bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes lundi matin, lundi d'une bonne semaine, réveillé par mon chat que je garde en ce moment, ça me fait plaisir. J'ai souvent des messages, ouais, elle est devenue quoi. Bah comme je vous l'ai déjà dit, je l'ai laissé à ma maman, parce que ma maman, depuis que je ne vis plus chez moi, et depuis que ma petite sœur ne vit plus chez moi également, elle est toute seule, la pauvre. Du coup, je me suis dit, bah tiens, elle s'est familiarisée avec le chat, elles s'aiment beaucoup les deux, elles ont leurs petites habitudes, etc. Donc, du coup, je vais lui laisser, mais en ce moment, c'est à moi que revient la garde. Donc regardez, oh là 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 là, trop mignonne. Hein, ça va? Vas-y, fais un bisou, un bisou. Bon, c'est pas tout de parler de chat. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. C'est une vidéo que je fais le matin avant d'aller à Paris. J'ai une journée pleine, pleine. Quel jour je vous prendrai un petit vlog un jour où je vais à Paris, parce que croyez-moi que je suis vraiment ce qu'on appelle un jeune actif. Voyez-vous, entre Zach en roue libre, les cours que je peux donner, les vidéos que je fais, les streams que je fais, ma vie est bien pleine. Après, ça en vaut la peine, hein. Je suis très heureux de ce que je fais. Mais même si je n'ai pas le ventre plein, malgré le fait qu'on puisse en déduire qu'il est très souvent plein, je vais réussir à vous péter un petit contenu aujourd'hui. J'ai vu que IW4X, il y avait du monde, il y avait surtout du monde sur des serveurs US. Bah oui, effectivement, à l'heure actuelle, il y a le petit Brandon qui joue en direct du Texas, parce que bon, c'est tout ce qu'il peut faire, hein, le pauvre, c'est la nuit à l'heure actuelle chez lui. Après, je dis tout ce qu'il peut faire, le pauvre, lui, au moins, il a pas le couvre-feu à 18h, le petit Brandon. Mais en attendant, eh ben, je vois des serveurs open, je veux en profiter pour jouer au calme. Les quelques serveurs européens qui sont ouverts n'ont pas l'air super, super intéressants, donc je vais pas trop faire un passage dessus. Allons jouer avec plein de ping sur... Ouais, je pense qu'on va aller sur Terminal, c'est parti. Non, Aneta, non, t'allonges pas. Allez, allongé. Désolé, je vais passer pour le mec cruel. Aneta, excuse-moi, Aneta, tu peux pas. Va sur la table de son. Y'a papa qui doit faire une vidéo pour nourrir tes grosses fesses. Hop là. Hello to you guys, on est sur Terminal, j'espère que... Que vous allez bien. Je vais jouer avec un petit peu de ping, donc ce sera pas parfait, d'accord, hein, 95 de ping. On fait avec. Je pense que malgré tout... Ouh, je pourrais quand même... Ouh, il m'a fait peur. Je pourrais quand même lâcher des trucs cool, parce que la FAMAS envoyait vraiment vénère. J'aimais beaucoup la FAMAS de MW2 parce qu'elle avait la particularité de mettre, bah, d'une, beaucoup de one, et de deux, de tirer en triangle. En fait, si vous regardiez le pattern de tir, c'était un petit peu en triangulaire, ça avait un petit flow, tu vois. Aïe. Ça a différencié clairement de la M16, mais ça, c'était l'avantage qu'ils avaient réussi à avoir sur MW2, c'est que absolument toutes les armes étaient viables. Alors certaines étaient meilleures que d'autres, hein, on se rappelle de l'UMP. Je pense que l'UMP, c'est en partie pourquoi notre génération a plus de calvitie que nos grands-parents, tu vois ce que je veux dire. Genre moi, personnellement, la dernière fois, je m'en rappelle, c'était il y a un an, un bail comme ça, j'étais à l'aéroport. Et tu sais, quand tu arrives à l'aéroport, quand tu arrives dans l'avion, quand tu arrives, souvent, ils te font prendre un petit bus pour te ramener au terminal. Et là, j'arrive au terminal et je regarde autour de moi. Et honnêtement, je vois beaucoup de calvas. Vraiment, je le dis, je vois beaucoup. Let's go, la petite série de 5. Je vois beaucoup de calvitie et je me fais la remarque. Je me dis, mais putain, mais il y a beaucoup de calvitie. Et là, je me concentre, tu vois, et je me dis, vas-y, on compte les hommes chauves, tout ça, machin. Et no fake, un homme sur trois, à peu près, un truc comme ça autour de moi, était chauve ou calvitie. Et moi, je fais, putain, mais on est une génération qui a été frappée par ça. Parce que moi, quand j'ai grandi, tu vois, que j'avais mes oncles, mes tantes, machin, mes couilles, je me rappelle pas qu'il y avait autant de gens qui avaient pas de cheveux, en fait, tout simplement. Et bon, bah, c'est bien de penser comme ça, parce qu'au final, ça m'aura touché aussi. J'ai aussi eu l'honneur de ne pas avoir de cheveux et d'être calvitié comme pas possible. De temps en temps, je relaisse pousser mes cheveux parce que tu vois, les gens ils pensent que... Oh là là, le petit double de Kaznani. Le triple de Kaznani, mais c'est magnifique. C'est magnifique le matin, j'adore cette petite vibe. Donc les gens ils pensent que j'ai zéro cheveux, tu vois. Non, en fait moi c'est juste que je... Voilà, aïe, la go. Ouais, bon, on reste en vie. Attends, hop là, avec le ping, le petit kid. Mais quand je relaisse pousser, il y a quelque chose. C'est juste que tout en haut du crâne, voilà, qu'on va dire que c'est un petit peu compliqué. Il y a un mec. Oh, il y avait un mec juste là, à ma gauche. On va aller chercher. Bon, vous allez bien ou quoi? Bah, j'espère que vous passez un bon début de semaine. Franchement, j'avais pas prévu de faire cette vidéo.
J'avais même prévu de rien sortir pour être honnête en ce lundi, mais là je me suis levé un peu plus tôt grâce au chat. Voilà, c'est pour ça que je voulais montrer dans l'intro, parce que d'une c'est mignon, je sais que ça attire les likes, hein, les gens aiment bien les chats, donc tu montres un chat, les gens sont contents. Et ouais, des fois le marketing c'est assez compliqué les cons. Hein. Non ça je rigole. Et elle m'a réveillé un peu plus tôt que ce que j'avais prévu. J'ai le train à 10h et il est 8h51. Bon, va falloir que je me grouille juste après parce qu'il faut quand même. Oh, j'ai tué deux personnes. Aïe. Oh la grue. Oh, 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 oh. Failli prendre les enfers. Il y a toujours le mec dans le coin là-bas. Nice. Série de 7. Donc, en me réveillant un peu plus tôt que d'habitude, j'ai eu l'occasion, tu vois, de faire cette petite vidéo. Donc, remerciez Aneta. Dites merci Aneta dans le chat parce que sinon, vous auriez pas eu ce divertissement de qualité, bah Netflix, j'espère, hein. Qualité Netflix, on l'espère. Dites-vous que l'autre jour, je me suis senti comme un gros con. Il y a les frérots de chez Elgato qui m'ont envoyé du matériel, tu vois. Ils m'ont envoyé une lumière supplémentaire, donc ça me permet de me voir encore plus clair. Ils m'ont envoyé un cam link, donc ça, ça va me permettre d'acheter une nouvelle cam et de pouvoir la mettre en stream et être encore meilleur en termes de qualité, tout ça, machin. Donc, il y a vraiment les beaux gosses de chez Elgato, vous êtes des bons. Hop là, let's go, le petit double kill. Attends, 3, peut-être 4 kills ici. Je sais qu'il y en a un. Hop là, encore. Vive le drone. Vraiment, le drone, c'est le streak le plus cheaté de tous les temps. En fait, c'est le streak le plus cheaté de tous les temps dans la mesure où il coûtait que 3 kills avant. Vraiment, avoir la position des ennemis pour 3 kills, c'était incroyable. Ensuite, il m'a envoyé un autre truc. Il m'a envoyé un Elgato 4K 60 FPS. Qu'est-ce qu'un Elgato 4K 60 FPS? C'est une carte d'acquisition que tu mets dans ton PC pour pouvoir récupérer le jeu, tout ça, machin. Et en fait, c'est censé être supérieur à ce que j'ai à l'heure actuelle. Tu vois, c'est une carte d'acquisition un peu plus mobile, entre guillemets, ce qui fait que là, j'ai une bonne qualité. Mais si vous regardez à des moments, c'est pas toujours parfait. Oh le trip! Non! J'avais un trip magnifique à sortir. C'est pas toujours parfait. Il y a l'image qui, à des moments, a des micro-déchirements, tu vois. Alors je pense que ça vient peut-être de la carte d'acquis ou quoi autre. Je sais pas exactement. Là par contre, stuck! Non! Mais jure, j'avais collé, frère! J'avais collé! Vous êtes pas sympa! J'avais collé! Faut laisser les kills des gens qui collent, parce que les gens qui collent. Vas-y, ça ressort. Y'en a un dans la cuisine là, au fond. Je te jure qu'il y en a un dans la cuisine. Y'en a ma bite, y'en a pas un dans la cuisine maintenant. Alors ma bite, y'en a pas un dans la cuisine, ça veut rien dire. Mais y'en a un. Il est dans la cuisine, il est content, le fils de. Je vais aller le chercher, je jure que je vais aller le chercher. Je suis un chien. Chien, va. J'ai dit, ma bite, il y en a pas un dans la cuisine maintenant. Et donc du coup, j'achète le Elgato 4K 60 FPS, sauf que tu vois, il rentre sur certains PC, dans certaines cartes mères et tout. Et donc moi, je me dis, bah tiens, avec celui-là, je vais pouvoir offrir une qualité d'image. Oh, le petit triple, encore supérieur à mes gars, tu vois. Il y aura plus ces micro-déchirements, machin, mes couilles. Bien, je reçois la bête, hein, donc la bête vaut quand même 200 balles, hein, tu vois. Moi, je me dis, allez, on reçoit, propre, machin et tout. Je reçois, et là, bah, pas compatible avec mes PC. Avec aucun de mes PC. Alors c'est tant mieux parce que vu que je vais avoir des locaux, je vais avoir du nouveau matos et je me chargerai d'avoir un PC qui sera compatible avec, tu vois. Oh, en termes de carte mère et tout, tiens, on va changer d'arme vite fait. On va prendre la petite UMP45. Franchement, ça se voit, ça va. Hein. Pour une game sur un serveur US, j'ai 90 de ping, on est en 34-8. Je m'en sers plutôt pas mal. Je suis premier. Hein. Je suis premier, mesdames et messieurs. Donc vu que je vais avoir des locaux et que je vais changer de PC, et ben, enfin, je vais changer de PC, je vais avoir des PC supplémentaires. J'en profiterai pour avoir des PC compatibles. Mais bon, ce serait quand même assez bien de pouvoir profiter de matériel qualité Netflix. Parce que effectivement, vu que je vais avoir des locaux, en fait, je vais avoir deux setups. Je vais avoir le même setup ici, donc j'aurai le même décor et compagnie. Hop là. Hop là, la petite triple encore magnifique. On est vraiment super bien. Parce que oui, hein, j'aurai deux setups parce que le but, c'est d'avoir des locaux où je peux faire un décor, je peux accueillir des gens, je peux faire des trucs, des concepts, tout ça, machin, tu vois, un endroit vraiment dédié à ça. Mais j'aurai encore ma chambre, enfin, la chambre de mon appartement actuel à Lyon. Hein, j'ai quand même 66 mètres carrés, excusez-moi du peu. Bon, je flex. C'est bon, je voulais pas flex sur mes frérots étudiants et leur dire, regardez, j'ai de la surface, tu vois, mais bon, techniquement, enfin, pas techniquement, mais dans les faits, j'ai de la surface. Hop. Et donc je garderai quand même cette pièce qui est dédiée à mon travail chez moi comme ça. Parce que tu te doutes bien que les dimanches matin, voilà, il est dimanche, j'ai envie de stream, j'ai envie de faire une vidéo, j'ai pas le temps de passer aux locaux. Faut quand même que je puisse le faire, tu vois. Donc en fait, ça va faire des petits setups interactifs. De temps en temps, je serai aux locaux, de temps en temps, je serai chez moi. La vie sera belle. Ah. Vraiment, en ce moment, je suis assez content. Alors, vraiment, il y a des moments où, je vais être avec vous, vous savez, avec les angoisses, les conneries que j'ai eues, tout ça, machin, je vous en avais parlé. Il y a des moments où je suis pas toujours super positif. Voilà, je suis honnête avec vous, il y a des moments où je suis pas toujours super positif. Mais en ce moment, c'est un moment où je vois le verre à moitié plein, je te dirais. Et je pense que... Je pense, alors ça c'est l'épidémiologiste premier qui te le dit, mais je pense que d'ici quelques semaines, je l'espère, en tout cas vraiment de tout cœur,
on pourra retrouver un petit peu de liberté, hein, et vivre peut-être un été, qui sait, peut-être similaire à celui de l'année dernière, où globalement, on était quand même pas trop trop mal. Allez, ok, il n'y avait pas les boîtes ouvertes, mais bon, à part ça, franchement, on était au global quand même pas si mal que ça. Et j'espère vite le faire, parce que à l'heure actuelle, je vous cache pas, bon, je dirais pas que couvre-feu me fout le cafard, mais ça pèse un petit peu, même si c'est pas le plus difficile de rentrer chez soi à 18h, le fait de plus avoir, tu sais, de boutique ouverte, de techniquement pas pouvoir aller voir tes potes et tout, c'est assez. Alors, je veux pas être le porteur de mauvais messages, mais j'avoue que personnellement, à titre perso, moi je fais attention. Alors, je fais très attention, etc. Mais malgré tout, il m'arrive de temps en temps de passer voir 2-3 potes comme ça, tu sais, qui eux aussi font attention le soir. Parce que bon, je me dis que si on fait à peu près tous attention et qu'on arrive quand même un peu à se capter de temps en temps, bah ça aide à pas devenir complètement malade. Alors, désolé si ça plaît pas à certains qui vont me faire un bon que ça va pas, c'est à cause de toi que. Oui, oui, bah non, on va arrêter la connerie au bout d'un moment. On va arrêter les conneries. Je pense pas faire des choses si mauvaises que ça, mais ça fait du bien à la tête et c'est très très important. Donc je vous conseille pas de prendre des risques, mais faites attention à vous, les amis. J'ai de gros cœurs. Et j'espère que d'ici quelques semaines, ça ira bien. 57 à 9. Bah alors, 57 à 9. On n'est pas sur une belle vidéo. On n'est pas sur un bon gameplay. Bien sûr que si, mon gars. Tu le sais. Tu le sais. I feel good. I feel good. Bon, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. À vous abonner. Je sais que beaucoup regardent cette chaîne sans être abonné. J'aimerais bien avoir les 450 000. On est à 447 000. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.